dis merci aux musiciens, merci à chanteuse Yo, Team Goubla. Nous bénissons nos bonnes pour nous. Merci à Pasteur Guy Frégile. Merci à tout le monde qui a chanté la gloire de Dieu. Nous bénissons nos bonnes pour ça. Combien de monde qui sentit bien matin? Amen. Bon, ici, à partir de nous, combien de monde qui sentit bien matin? Amen. Vous sentez bien, même si vous pouvez tout signer comme ça. Vous comprenez? Vous sentez bien parce que c'est la nourriture spirituelle qui prépare pour vous. Deux semaines de cela, j'ai fait nos promesses qui m'ont pas conduit une série d'études. Mais des messages hein, sur le Saint-Esprit. Combien de monde était là la semaine dernière? Des semaines de ça, pas semaine dernière, des semaines de ça, nous avons parlé sur le Saint-Esprit. Combien de monde a songé ça? Amen. Nous avons parlé sur les noms du Saint-Esprit. Nous avons fait une religion pour ça, qui part là, qui part autant du commencement. Hein? Les noms du Saint-Esprit. Et ces promesses-là, m'a tenu mes promesses jusqu'à ce que je finisse avec les noms du Saint-Esprit. Et je commencé avec une question. Qui m'a dit que j'ai comme en question, je commencé avec rien. Amen. Merci mon frère. Qui est le Saint-Esprit? Qui ça, Saint-Esprit a eu? Et dis-nous, c'est l'Esprit de Dieu. Nous rappelons-nous? Le Saint-Esprit n'est autre que l'Esprit de Dieu. Nous jouons à travers qui bon? Depuis dans l'Ancien Testament, Genèse chapitre 1, le verset 2, 1 et 2, jusqu'à Apocalypse. Chapitre 22, le verset 17. Donc, à travers toute Bible là, le Saint-Esprit est prêt. Est-ce que nous la chrétiens? Le Saint-Esprit présent dans toute Bible, depuis Genèse, commencement de Genèse, jusqu'à la fin, dernier chapitre du livre, le Saint-Esprit est présent. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est important. Et nous disons que c'est l'Esprit de Dieu. Désignons aussi que le Saint-Esprit est Dieu lui-même. Car le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit possédait tous les attributs de Dieu. C'est-à-dire ça, bon Dieu, il y a ça tout. Amen. Tout le temps de parler de Jésus, ça Jésus, il y a ce bon Dieu lié. Mais nous avons toujours négligé le Saint-Esprit. Eh bien, ça. Bon Dieu, les attributs de Dieu attribués au Saint-Esprit de même. Car c'est l'Esprit de Dieu, c'est Dieu même. Et nous disons que le Saint-Esprit est un cadeau de Dieu pour les chrétiens. Pour les gens qui croient en Jésus, son cadeau lié. Et nous disons encore grand pile en pile en pile cadeau que bon Dieu bail à travers le Saint-Esprit. On est sous recevoir quelques cadeaux déjà. Et nous allons faire des parcours pour nous prouver comment bon Dieu a quelques cadeaux pour ne pas même nous rendre compte. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit possède les caractéristiques de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est le cadeau de Dieu, vous voyez, pour les chrétiens. Pas pour les non-chrétiens, mais pour les chrétiens. Vous avez dit okay, que le Saint-Esprit apporte beaucoup de cadeaux aux croyants. Pourquoi pas aux non-croyants? Nous ne croyons pas qu'à recevoir les bénédictions spéciales que bon Dieu a gagné pour les croyants. Dans Matthieu 26, verset 41, il dit veillez prier afin. Le Saint-Esprit de Dieu Matthieu 26, verset 41 cherchez
Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas. Pas dans la tentation. Car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Merci. L'esprit bon Dieu, il est là, nous-mêmes qui accepté Christ. Il est disposé pour l'aider à travers toute situation, tout problème, tout tracas, toute calamité. Il est là pour l'aider. Les tentations viennent, il est là pour le surmonter au-dessus de la tentation. Mais c'est à faire. Combien de monde matin qui a préparé l'esprit pour participer au service de la Sainte Seine? Ou bien qui ont contrariété avec la chair dans l'esprit dans maille qui passe à tout sanctifier assez pour recevoir la Sainte Seine matin. Si c'est votre cas, vous pouvez prier le Seigneur pour l'aider, pour le couvrir, pour le pardonner, pour qu'on va participer au service de la Sainte Seine. Et nous avons conclu que y a un monde qui a résisté le Saint-Esprit. Quand il y a un monde qui peut résister le Saint-Esprit tout, dans Actes chapitre 7, le verset 5, il y a un monde aussi qui a attristé le Saint-Esprit. L'on a décidé de ne pas partir au secret, de se baptiser, de décider de ne pas partir au service pour attrister le Saint-Esprit. N'est-ce pas vrai? Amen. Amen, chrétien. Il y a un monde qui a attristé le Saint-Esprit. En anglais, qui éteint le Saint-Esprit. Est-ce que bon Dieu compte avec vous? Non. Éphésiens 4, verset 30. Et aussi, il y a un monde qui n'a pas connu le Saint-Esprit. Il y a un monde qui n'a pas connu cette question du Saint-Esprit. Il y a des gens qui comprennent cet esprit à mal, c'est les gens. C'est là. Non. Esprit de Dieu, c'est l'esprit de douceur, de calme. Il n'est pas manifesté dans le bruit. Mais est-ce que les gens qui ont manifesté, est-ce qu'ils sont péchés pour nous parler d'autres langues? Non, ils ne sont pas péchés. Mais ils sont donc qui baillent à quelques mondes en dans l'église. Pas tout le monde. Et lorsque le Saint-Esprit a manifesté, on a parlé en d'autres, il faudrait qu'il y ait un autre monde qui interprète. Il m'a dit calamité, 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 blablabla. Est-ce qu'on comprend comment dire? Ils sont vrais esprits, ou après, il y a un monde qui a interprété pour vous. Nous songez à Éphèse. Paul a rentré à Éphèse. Il demandait avec les disciples, les chrétiens, est-ce qu'ils entendaient parler du Saint-Esprit? Est-ce qu'on recevait l'Esprit? Est-ce qu'on recevait? On dit non. On ne pas en même temps de parler aux questions de cet esprit. Donc, il y a des gens en dans l'église qui ne connaissent pas l'importance de cet esprit en dans l'église. Chrétien, qui a parlé l'église, qui a servi bon Dieu, il parle de questions, on dit pas même qu'on parler, tant de parler de cet esprit. Oui, Bible avec moi, Acte 19, verset 1 à 5. Acte chapitre 19, verset 1 à 5. Madame Apollon était en Corinthe. Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit? Qui a-t-il rencontré? Disciples. Qui est-ce les disciples? Moun qui a suivi Jésus. Il posait cette question. Disciples, moun en dans l'église, oui. Il posa cette question et puis il dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Wow. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Baptême de Jean. Et ils répondirent: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a une question là, c'est vous qui êtes là. Il y a une question.
qui est en recevoir le baptême du Saint-Esprit? Il a accepté Christ comme sauveur personnel, pas vrai? Bon, il dit, est-ce que parce que recevoir le Saint-Esprit lorsque tu as accepté Christ? Il dit non. C'est-à-dire, c'est un travail qui n'est pas fait. Il n'y a pas de instruction concernant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit pas travaille dans eux-mêmes. Pas faire qu'on est leur péché, leur marché mal. Le Saint-Esprit pas faire comme ça, il n'y a pas comme ça. Il n'y a pas disposé qu'il y a. Est-ce que vous comprenez, chrétien? Il y a vague. Il y a vie, j'ai oublié. Mais lorsque c'est de Christ, vous avez l'autre esprit, comme tu vous dis, et je sais que tu vous réponds, dit les ou sont chrétiens, ou comme esprit. Qui est-ce qui te regarde sous l'autre? C'est-à-dire, yo pas de bail, l'esprit de Dieu valait lorsque tu acceptais. Son bail plus valait, c'est lui qui a remporté sous l'autre là. Si c'est la chair, le vice, le vol, le malsain, qu'on nourrit, et bien c'est lui-même qui a battu plus valait sur l'esprit de Dieu. Mais si vous pas qu'on aime, ou pas bas l'importance, et bien, qu'importe action mauvaise, qu'importe ça qui n'est pas bon, tu es tombé là, la donne. Est-ce que vous la chrétien? Mais attendez, est-ce que nous la chrétien? Amen. Deuxième nom, on a couvri ce matin, le Saint-Esprit est le conforteur. Tout le monde dit conforteur. Conforteur. Tout le monde dit conforteur. Avant Jésus de retourner dans le ciel, il te promet aux disciples qu'il doit aller pour que le Saint-Esprit soit capable de prendre place sur la terre. C'est très important. Jésus, il était sur la terre. Si nous allons dans l'histoire de Lazare lorsqu'il mourit, il nous dit, Marie dit, maître, si tu es là, fouet-nous pas ta mort. Nous parlons côté le Saint-Esprit important, c'est dames, mes frères et mes sœurs. Si ou de la foi non pas d'amour, donc Jésus fait une promesse à quel va aller pour qu'avoir le Saint-Esprit qui va être consolateur pour eux-mêmes. Parce que des fois accepter Christ ou recevoir le Saint-Esprit, Jésus parle là en chair et en os encore. Mais son esprit est là. Est-ce que vous comprenez, chrétien? Nous, hein, confortés dans Jean chapitre 16, le verset 6 au 7. Entendez parler un peu de confortés. Jean chapitre 2, chapitre 16, le verset 6 et 7. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Quel est le nom de cet esprit-là? Consolateur. S'il ne pas aller, Consolateur n'a pas venu. Si je m'en ai dit Jésus aux États-Unis, est-ce que je m'appelle Jésus? Réponds-moi non, chrétien. Je m'en ai dit Jésus aux États-Unis, à marcher dans les rues. Même là, dans l'endroit de là, et moi, je n'ai pas une, est-ce que je m'appelle? Mais le consolateur qu'il voyait, quel que soit côté mieux, la présence du Seigneur est là. Dieu est là avec moi à travers son nez. Ce matin, dans notre témoignage, il dit qu'on se fait dans l'église. Hein? Il vit, c'est non, seule fois par Boïse, il vient, près de 6 ans. 4 ans, par contre, il est venu ici. Il n'a jamais été pied à l'église encore. C'est bambilé, la bambilé dans le monde. Bon, il y a un problème. Il peut aller en côte. C'est là qu'il va rentrer dans la côte, là, il songeait, le sang de Jésus. Le parole a dit, le sang de Jésus avec moi. À
avant pas de parler de sang de Jésus, c'est bambiler la travail, la bambiler. N'est-ce pas vrai, c'est Marie? La bambiler dans le monde. Mais pendant que la parole dit, si Jésus sauve, le sang de Jésus, mettez-le dehors. Prenez bon Dieu, mettez-le dehors, oui. Mais bon Dieu, attendez évidemment, hein? Pour lui, est-ce qu'il a continué à relever le sang de Jésus, l'être en bon, dans bon baillot, mais s'il a suspendu? Bon Dieu, pas le relever encore. Pas l'en juger encore. Donc on n'a pas compris qui c'est la force d'appeler le sang de Jésus encore. C'est assez audacieux pour lui donner le sang de Jésus encore. Oui, mes frères. Dans Jean, chapitre 15. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Mm-hmm. Si m'allez, m'a voyé, qui ça, qui est-ce? C'est envoyé pour nous, le con. Consolateur. Le nom de cet esprit est aussi consolateur. Du fait que le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu, je vais vous poser une question. Du fait que le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu, est-ce que le capable menti? Non. Le Saint-Esprit de Dieu n'est pas capable menti. Jésus n'est pas capable menti. Les vrais consolateurs pour nous-mêmes, nous avons un problème qui est sur les j'ai. Qu'est-ce qui va poser un problème pour nous? J'ai. Bon Dieu, pas capable de mentir. Le Saint-Esprit de Dieu, pas capable de mentir. Jésus-Christ, non, plutôt, pas capable de mentir. Le Saint-Esprit porte confort à travers le croyant. À travers le croyant quelconque, le Saint-Esprit a porté confort. Le monde malade, le chrétien vide, qui soit porté pour nous? Je ne vais pas répondre, mais non, chrétien. Le monde a un problème quelconque, ou à prier avec qui soit porté pour lui. Confort. Quel que soit le problème, non? Bon Dieu, bah, yon croyant, habilité, possibilité pour porter confort à yon frère, yon soeur qui a un problème quelconque. Mais, est-ce qu'on peut porter confort avec yon monde qui n'a pas accepté Christ? Oui. Certainement. Mais en même temps, on va offrir Christ. Offrir la parole, offrir Christ. Amen. Offrir Christ. Le nouveau message, Esaïe était porté pour le peuple dans Esaïe 40, déjà. Il dit, consolez-vous. Consolez, consolez. Mon père, qui est-ce qui dit ça? Dit le Dieu Tout-Puissant. Consoler, consoler. La consolation vient de Dieu. Mais pour qu'elle vienne de Dieu, il faut bien qu'on connaisse la parole de Dieu, qu'on ait le fait de la parole de Dieu, qu'on ait bon Dieu capable de consoler vraiment. Et ça, il n'y a pas quand vous te dire ça comme ça, mais bon Dieu te balle un message. Ce message, il était porté par le peuple. Esaïe 42, verset 1. Consoler. Consoler mon peuple, dit notre Dieu, dit l'Éternel des armées. Consoler. Notez bien. Qui est le monde qui est témoin à chrétien? Qui est le monde capable de témoigner? Ou bien témoigner, c'est leur passion test. Le problème traversé, amen. Tu vas laisser les témoins, les mots de niveau. Les consolateurs apportés, remédie pour vous-même. Tu ne peux pas comprendre, non, chrétien. Le témoin, c'est là où tu as un problème, où tu es malade, bon Dieu guéri. Où tu es dans le manquement, bon Dieu paye bilou pour vous-même. On ne peut pas dire à vous mettre. Ce matin, nous avons un monde qui dit, attendez, si vous n'avez pas rentré dans la conscience. Si le Saint-Esprit pas rentré dans le monde, ça. Ben, mon ami, je vais souler, je vais acheter quelques souliers, je vais les souliers même. Maman dit, si le Saint-Esprit pas rentré dans le monde, ça. Mon ami, même 20 paires souliers. Oui. Bon, à qui est-ce que ça? Pas bon, on n'a pas là. On n'a pas madame, moi non plus. Maman, je vais presque tomber avec souliers. Je vais passer un bateau. Je ne dis pas que je suis les mêmes.
I love you, seven fils. Est-ce que le Saint-Esprit pas dit nos bagailles? Ça nous pense chrétien. Est-ce que le Saint-Esprit ne pas dit et ça le caïti? Et ça, c'est pire à marcher en Afrique. Sous des 10 grains d'hôtel, il y a marché en Afrique. Et ça, qui paraît pied pour me saouler. Pourquoi le Saint-Esprit dédie des bons messages? Ben, c'est moi. Oui, moi, dis, on au témoigner, c'est les bons dieux fait qui chorent pour moi-même. Combien de monde qui vient saouler pour vous mettre dit béni soit l'éternel? Combien de monde qui dit assez dit béni soit l'éternel? Soyons sincères. Vous avez noir, vous avez bleu, vous avez rouge, vous avez vert, vous avez marron, vous avez rose, vous avez noir. Tout couleur net. Vous ne pas d'un. Jésus dit qu'il y a une différence. Le ciel et l'enfer. Il y a une différence entre le ciel et l'enfer. Dans le ciel, chrétien joint réconfort. Dans l'enfer, joint tout tourment. C'est la différence. Réconfort, qui porte le réconfort? Le Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que tu as allé dans l'enfer? Non, pas quoi. Et un réconfort dans le ciel, tablé dans le ciel. On est capable de prendre un réconfort. Nous parlons, ouvrir Luc 16, verset 19 à 25. Luc chapitre 16, verset 19 à 25. Tant que ça veut dire. Comme les premiers. Il y avait un homme riche. Il n'a pas avancé comme dit nous, pour soi. Il y a un homme riche. Tu vous portez des robes de fin lin, tu vous des mers succulents, soie, pétale, un pile belle manger sous ta bille chaque lagoune. Mais tu es un pauvre, tu es le Lazare qui est toujours devant porte. Pauvre là toujours à chercher, manger timillette, paix cap ton balai. Si on est devant porte là, ça veut dire pas dans le salon, ça veut dire ça au fin balai, ah oui, est-ce que tu avec moi, chrétien? Hello? Nous la chrétien. Si on dit devant la porte là, que le pauvre là n'a pas qu'à rentrer dans la caille là, et la tante qui m'a payé pour le manger. Et si je fais au balai, après j'ai été, c'est lui à manger. Le dit Lazare était malade, t'es comme il sait, t'es chien, t'es qu'on a bliché pied. Son balai était triste pour lui-même. Eh bien, un jour Lazare mourit. Qui bon veut le réconfort dans les bois d'Abraham. Wow. Tu vas voir l'histoire? Dans les bois d'Abraham. C'est là la joie de réconfort. Mais le riche est venu mourir aussi, Michel Al, qui bon? Lieu de tourment. Qui bon t'a aimé aller? Tu t'as mouru aujourd'hui. Dans les bois d'Abraham. Pas vrai? Est-ce que le tourment t'en a pour le bois de le recevoir si vous connaissez, pas connaissez? Même, il n'a pas qu'à attendre, il n'a pas qu'à ouvrir deux bras pour le Dieu parce qu'il n'est pas pour lui-même, mais pour Christ. Et tout le monde qui est pour Christ, on va mourir aujourd'hui avant Christ retourne, on va mourir, on va tomber dans les bois d'Abraham. Donc, histoire aussi belle. Le pauvre, verset 22, le pauvre mourit et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourit aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était au poids au tourment, tourmenté. Mais Lazare lui-même dans les bois d'Abraham, t'a réconforté. Et ce riche-là cria, Père Abraham, depuis qu'il est connu Abraham comme ça. David, depuis qu'il est David, tu connais le sang de Jésus comme ça. Les moments difficiles pour après le secours, il n'y a pas de secours. Il était trop tard pour Lazare, mais David n'est pas trop tard pour lui-même.
Et qui ça lui fait, c'est venir à Jésus. Pas David, nous qui dans la Bible, nous chrétiens. Petite sœur Anne-Marie, c'est de lui-même à parler. Ah, nous poursuivons. Le Saint-Esprit porte le nom d'enseignant aussi. Dernier point pour être avec nous pour terminer. Qui n'ont le Saint-Esprit porté le nom d'en? Est-ce que quoi, le Saint-Esprit est capable d'enseigner? Amen. Le pas font bagaille qui mal pour ces chrétiens. Est-ce qu'on va dans nos voix qui parlent là ou qui disent non, pas faire mal ça, on va tomber, on va périr, on va punir. On va dans les voix. Tu vas dans les voix, on va empêcher ou son chrétien fidèle, juste, parfait, on va empêcher. Le Saint-Esprit enseigne toute action qu'on va entreprendre. Dans le salut, le Saint-Esprit est là, l'a aidé, l'a enseigné. Le ouvrir pour vous dire qui mal est doux, pas parler mal. Le pas le vol, le bal, il dit, ça n'a pas pour vous. Ça n'a pas pour vous. Le pas le bal, il répond ce qu'il dit, il dit non, 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 non. Chrétien pas agir comme ça, l'a enseigné. Amen. Et même chrétien, ça va pas arriver nous. Et bien, nous venons de convertir pour le prier pour nous. Ça arrive tout le temps. Lorsque penser à faire des choses qui sont mal, qui sont contraires à la volonté de Dieu, le Saint-Esprit vous dit non. Il prend même le détourner, face à le détourner du mal. Espérez ça arrive. Je pose une question. Est-ce qu'il n'y a aucun péché qui est bon Dieu pas pardonné? Oui. Qui péché lui? Par le Saint-Esprit. Non, péché contre le Saint-Esprit de Dieu. En allant dans Matthieu, chapitre 12, verset 31 à 32. Matthieu. Chapitre 12, verset 32. C'est pourquoi, je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Péché, mais au blasphème, il y a pardonné. Ça pas bon. Il y a une licence pour le péché, non, chrétien? Non, 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 non. Malgré lui, il dit, il a pardonné. Yo. Ça pas bon, une licence pour le péché, pour le péché. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Ne sera point pardonné. Jamais pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ qui lui sera pardonné. C'est la démocratie chrétienne. Ou non chrétienne. Mon cas parle de Jésus mal. Il n'y a pas de problème à ça, non? Jésus n'a pas rien pour vous, pas de problème à ça. Jésus n'a pas de problème. Mais le Seigneur dit aussi ou blasphémé contre le Saint-Esprit, pas de pardon. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné, ni dans le ciel, ni dans le siècle à venir. Waouh! Pas de pardon pour le monde qui parlait contre le Saint-Esprit. C'est pour mouvoir nous l'importance du Saint-Esprit chrétien. Le Saint-Esprit a une grande importance. Pour prendre la Sainte Seine matin. Pour vos amis qui ont parlé dans les oreilles. Quand vous dites ça d'après vous. Mandez bon Dieu pardon. Mandez bon Dieu pardon. Mandez bon Dieu pardon. Mais telle ou telle chose qui te fait mal, mandez bon Dieu pardon. Avant, vous mettez main en vous. N'a pas ni offrande là. Mandez bon Dieu pardon. Mandez bon Dieu pardon. Il va laver, il va sanctifier, il va purifier. Il va demander le pardon. Demandez bon Dieu pardon. Dans Jean chapitre 15, verset 26. Le Saint-Esprit conduit croyant qui boit. À la vérité, dans la vérité. Qui boit, le Saint-Esprit conduit en croyant.
dans la vérité. Le pape jamais la gloire trouve. Le Saint-Esprit par exemple menti, c'est l'Esprit de Dieu. C'est la vérité. Rolex. Qu'est-ce que vous bouteille de l'eau pas qu'on utilise là, s'il vous plaît? Amen, sœur, la bonne l'eau. Messieurs, dames, comité de l'église, quand vous mettez de l'eau là, la machine de l'eau qui n'est pas travail. Très important. Amen. Il vient marcher, il vient servir. Le Saint-Esprit de Dieu conduit tout le monde vers la vérité, non pas vers le mensonge. Car nous disons le Saint-Esprit de Dieu est Dieu lui-même. L'Esprit de Dieu, son caractère, les principes de Dieu sont dans le Saint-Esprit. Il n'est pas conduit dans le mal. Ou non? Jean chapitre 15, verset 16. Comme les vôtres. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure afin que c'est que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Verset 15, il dit, je ne vous appelle plus serviteur parce que je les le serviteur ne sait pas ce qu'il fait son maître. Et je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Est-ce que son vérité, ça y est? Amen. Est-ce que Jésus inspirait nous les bonnes choses du Père? Va avec moi, non? Est-ce que le Saint-Esprit de Dieu, Jésus-Christ, montre nous bon bail qui vient à papa? Amen. Et l'Esprit adapté avec l'esprit papa. Le Saint-Esprit adapté à papa. Donc si Saint-Esprit adapté à papa, papa pas quand même menti, il pas quand même menti, non, non plus. Et pour en finir, l'Esprit de Dieu pas de chambre conduit au monde dans l'erreur. Non, mais il veut, c'est pas bon Dieu qui fait arriver. Nous dit l'Esprit de Dieu pas conduit mon nom et jamais. L'Esprit de Dieu conduit dans bonne bagaille, dans bonne chose, dans bonne direction. L'Esprit de Dieu par contre là dans la confusion, par la guerre dans trouble. L'Esprit de Dieu par la guerre dans découragement. L'Esprit de Dieu sont l'Esprit vivifiant qui lié. Il satisfait au contraire. Il n'est pas déplaire. L'Esprit, le Saint-Esprit aussi protège les croyants contre toute erreur. D'après Proverbe 9, verset 8 et 9. Proverbe 9, verset 8 et 9. L'Esprit de Dieu conduit le monde. Pour protéger le monde contre toute erreur. Proverbe 9, verset 8 et 9. Oui, mais nous faisons. Nous ne pouvons pas attendre l'église à finir de construire. Par exemple, le monde qui est là, pas de Bible dans mes unions, pas pour vivre. Nous allons projeter la plus facile, les versets projetés dans le tableau. Proverbe 9, le verset 9. 8 et 9. Ne revois pas le moqueur de crainte qu'il ne te haïsse. Reprends le sage et il t'aimera. Reprends avec sagesse. L'homme a joué, qui ça vous fait? Parlez bien avec lui, pas jouer, pas. Agis avec sagesse envers mon nom. Et mon après entré dans la conscience, il a dit, on va agir comme ça avec intérêt. Répondez avec ça, sagesse. Et qu'il a fait en retour la première.
le donne aux sages. Et il deviendra moins sage. Plus sage. Oh, excuse-moi, plus sage. Bail aux sages et il deviendra plus sage. Instruit les justes. Il augmentera son ça. Waouh. Chrétien, si nous sommes chrétiens, oui, on fait l'évangile là. On fait l'évangile à tout bon vrai. Non? Combien de monde qui vont nous fâcher avec dans la salle là? Il n'est pas bien avec mon enfant pour raison quelconque. Mon enfant fait un bagage, il déplaît mon enfant. Il n'est pas dit mon enfant bonjour. Il n'est pas salué mon enfant. Et pour finir, malgré que le Saint-Esprit invoque dans tous les aspects de notre salut, quel que soit à entreprenant, le Saint-Esprit la donne. Du fait que c'était Christ comme sauveur personnel. Le Saint-Esprit invoque dans tout ça que tu as fait. On parle à Timon, le Saint-Esprit la donne. On parle rien sur Timon. Relais sous madame, relais sous Mario, relais sous Corokia, relais sous boss là, relais sous ouvrière, le Saint-Esprit est fort. Il est présent dans toute bagaille. D'après qui ça l'a dit? Attention, songez secret, songez au bon salut à défendre. C'est là que nous trouvons les trois phases du salut. Je suis sauvé, je suis en train d'être sauvé. Et je sais, pas pour sauver maintenant. En train d'être sauvé, ce n'est pas de vivre dans le corps ça. On va vivre dans la chair. En train d'être sauvé. Faites attention. Désolé. Et je termine là avec nous. Le Saint-Esprit est la source de sanctification qui nous va avoir à ce faire. Combien de monde qui comprend le message là? Combien de monde le message a traversé au matin? Amen. Donc, il nous parle. Nous allons passer au service de la Sainte-Seine. Répondre bien. Est-ce que le message là fait effet dans la vie matin? On va démontrer par là. Merci à Milos. Merci à Dieu. Tendre Père Céleste, quand Dieu trois fois saint, maître, maître, Seigneur de Seigneur. Nous te remercions, Seigneur Dieu, pour le message parole, pour le Saint-Esprit qu'on quitte. À diriger la vie, nous, Seigneur Dieu. Nous invoquer au Seigneur Dieu dans ce moment ça. Pour nos frères, nos sœurs, et moi, peut-être pas, Seigneur Dieu, pour capable manifester dans moi-même pour la sagesse, la bonne compréhension et tous les bienfaits, Seigneur Dieu. Mais tout esprit de chair, tout esprit infernal, tout esprit de cœur dur, Seigneur Dieu, qui est dans moi-même, et dans le peuple, Seigneur Dieu, afin que nous capables bien disposer pour recevoir le service de la Sainte. Nous connaissons bon papa, nous pas fort, nous pas bon, nous pas juste. Fais ça qui mal nous déplaît au Seigneur Dieu. Mais la main de grâce, la main de la compassion. Nous ne voulons pas blesser au péché contre le Saint-Esprit. Mais nous voulons accepter ça, le Saint-Esprit. Saint-Esprit, demandez-nous en ce moment, Seigneur Jésus, pour nous prier, pour nous chercher présence. Nous demandons pardon pour péché, nous. Et nous va pardonner, nous, Seigneur. Nous prions pour ça dans le moment, ça. Nous ne pas à nous, mais à ton amour.